Assieds-toi là, s'il te plaît, ma vie. À lui de me planter avec ce cutter, s'il te plaît. C'est le moment to open les colis qui sont derrière moi. Comme vous pouvez constater, il y en a vraiment beaucoup. Genre vraiment, vraiment beaucoup. Déjà, il y a pas mal de colis qui m'ont été envoyés par des marques qui ne m'ont pas demandé si je voulais recevoir ces colis en question. Deuxièmement, il y a beaucoup de commandes que moi j'ai passées aussi de mon côté. Ne me demandez pas pourquoi j'ai passé des commandes alors que j'étais pas là, je sais pas. Je peux pas répondre à la question. Et ensuite, il y a des gifts de marques que j'étais au courant, j'ai accepté et voilà. À savoir qu'il y a quelques colis qui ont déjà été ouverts par ma soeur parce qu'il fallait qu'elle vérifie pour que moi je dise aux marques oui, c'est bon, j'ai bien reçu le colis, etc. etc. Mais je n'ai rien ouvert. Littéralement, là, il est 16h. Je suis rentrée dans ma petite campagne à 13h. Autre chose à dire avant d'ouvrir les colis, il y a plein de trucs que je vais vous faire gagner sur Instagram, je crois. Typiquement des produits que j'aurai en double ou alors des trucs où il y aura plusieurs exemplaires, des produits dont je vais pas forcément me servir, etc. Je vais vous faire gagner plein de trucs là-bas. Donc, you know what you have to do. Tu choisis les colis qu'on ouvre. Ocean's Apart. Alors, Ocean's Apart, il faut sachez qu'il m'a envoyé deux colis parce qu'il y a eu des erreurs dans les commandes. Ça, je crois que c'est le colis avec erreur. On a deux petits ensembles. Celui-là, je vais pas vous cacher que j'aime pas trop la couleur. Donc je pense que soit je vais le donner à une copine, soit je vous le ferai gagner sur Insta. C'est une taille S. Mais pour le coup, je sais que je le porterai pas parce que c'est pas une couleur qui va m'aller. C'est un genre de vert fluo, vert menthe un petit peu. Et c'est un pantalon. Et en plus de ça, c'est un modèle que j'ai déjà en 15 milliards d'exemplaires. Genre je l'ai vraiment dans beaucoup de couleurs. Et je l'aime beaucoup. Mais vu que j'aime pas trop la couleur, ça sert à rien de le garder pour dire de le garder. Par contre, celui-là, je kiffe la couleur. Ah, c'est un short celui-ci. Mais c'est encore mieux. Je kiffe la couleur de celui-là. Après, vu que je suis très pâle de peau, je sais pas si ça va m'aller. Mais il est très beau, il a l'air de faire des très belles fesses, ça on aime beaucoup. Et il y a la brassière qui va avec, c'est exactement la même que l'autre ensemble vert. C'est tout pour le premier colis. Next one. Ok, ça c'est une commande que j'ai passée moi-même. Parce que c'est un top que j'avais trop peur de ne pas avoir si j'attendais de rentrer à la maison. Ou que j'attendais d'aller dans sa boutique à Lille. Ah, je suis un peu déçue de la matière, enfin de la... Ouais. Du tissu, genre ça fait un peu cheap. Enfin, c'est très joli, j'aime énormément, ça ressemble un peu aux petites chemises Gany, enfin c'est tout très à la mode quoi, j'ai pas été chercher très loin. Genre j'aime trop le motif Vichy rose, je trouve que le rose c'est une couleur qui me va plutôt bien. Les petits nœuds comme ça, vous pouvez les porter autant devant que derrière. Mais je trouve que la matière, déjà il y a plein de fils qui pendent, ça c'est hyper dommage. Et au-delà de ça, bah, je sais pas, je trouve que la texture de la matière, enfin c'est hyper compliqué à expliquer, mais je m'attendais pas à ça. Genre ça fait matière qui brille un peu. Par contre, le colis je l'ai reçu hyper rapidement. Parce que j'avais commandé le dimanche et ma soeur m'a dit que j'avais reçu le colis le mercredi. Donc ça arrivait en 2-3 jours maximum. Je trouve que c'est plutôt pas mal. Next one. Ouais, c'est quoi? Si c'est mes mots, c'est des bandeaux pour les cheveux. Tu veux ouvrir? Waouh! Je me suis commandé 3 petits bandeaux chez Memo. Vous savez quoi? Pour savoir ce que j'ai commandé et ce que j'ai reçu gratuitement, quand ce sera un colis que je reçois gratuitement, je vous mettrai un petit truc produit offert en haut. Ça, pour le coup, j'ai commandé moi-même. J'ai trop craqué sur sa collection de bandeaux pour les cheveux. Alors, je vais pas vous mentir, ils sont pas donnés. Genre, pour les 3, j'en ai pour 70€. J'ai pris un petit motif léopard, comme ça. Genre ça, je me suis dit, avec une tenue très basique, très classe, genre juste une tenue full black, ça peut être très beau. Alors, les bandeaux, je pense pas que ce soit ce qui m'aille le mieux. Je sais pas pourquoi j'ai eu un espoir avec cette forme de bandeau là, ils ont l'air d'être très maniables. Écoutez, bah si j'aime pas et que ça me va pas, bah soit je les donnerai, soit je les revendrai sur Vinted. Et à l'intérieur vous avez sa petite étiquette. Après j'ai pris, alors celui-là j'ai adoré, j'ai trouvé trop mignon, celui avec les motifs cerise, blanc cerise comme ça. Celui-là par contre il est beaucoup plus rigide que le léopard. J'ai vu ce que t'as fait. Genre ça avec un outfit top blanc, jean bleu clair, très 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 beau. C'est déjà le bordel dans ma chambre, j'ai envie de mourir. Comment dire? Et le dernier, bah pareil, je l'ai trouvé trop mimi pour l'été, multicolore comme ça. J'aime énormément la matière aussi du tissu, je trouve ça très sympa. Voilà. Mais attendez, on va trop vite là, ouvrir les colis, purée. Non mais ils sont pas intéressants. Moi j'ai envie d'ouvrir celui-là, il m'intrigue, je sais pas du tout ce que c'est. Celui-là on le garde à la fin. Pourquoi? Non je rigole. Celui-là bah. Lui? 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 Ouais. C'est quoi? Ah si, je sais ce que c'est. Alors ça, je l'ai vu sur TikTok et j'étais là en mode oh my god, il me le faut, le rose c'est ma couleur, c'est hors de question que je passe à côté de ce mascara. C'est le Sky Eye en version rose du coup. J'ai trop hâte de le tester. Genre ça, je vous promets vraiment, demain je fais le crash test sur TikTok et je vous montre le résultat. Il a l'air incroyable. Ah. Déjà moi je suis hyper fan des mascaras bleus, je trouve ça incroyable. J'espère que le rose ça va rendre pareil. Et dans le même colis, on a ça, je me souvenais plus ce que c'était mais en fait si je me rappelle, j'ai commandé des coques transparentes de protection pour mettre sur mon casque Apple parce que j'ai pas envie qu'ils se rayent et ça fait déjà, bah bientôt faire 4 mois en vrai que je les ai. Bah ils ont déjà eu le temps de se rayer un petit peu pendant que j'étais au Canada et tout. Mais du coup pour éviter d'aggraver le cas, j'ai commandé des housses de protection comme ça, transparentes, que vous pouvez mettre sur tous les modèles des casques, peu importe la couleur que vous avez. Voilà. C'est quoi? Des vernis. Si c'est des vernis, ça s'entend. J'ai pas commandé de vernis et je mets pas de vernis, regarde mes ongles. Ah! Ok, c'est pas du tout des vernis, c'est pas du tout des vernis. C'est un colis Aromazone. J'aimerais trop à la fois.
C'est vrai? Ouais, je sais pas, il a l'air bien en fait. Bah tu regarderas s'il y a des trucs qui te plaisent. Du coup, ils ont envoyé le sérum au niacinamide 10% cuivre et zinc. En vrai, je suis super contente d'avoir reçu ce gros colis parce que je sais qu'il va me faire plaisir à moi, à ma maman, à ma soeur et bah à monsieur là à côté du coup. Les produits Aromazone, c'est des produits qu'on adore dans ma famille parce que c'est des produits qui sont pas chers, qui sont très simples, très efficaces. Sérum acide hyaluronique, ça ma mère, elle va être trop contente parce qu'elle met ça tous les jours. Elle alterne souvent entre le Aromazone et le The Ordinary, je crois. Ça par contre, je vais peut-être garder pour moi parce que le niacinamide, c'est bien pour les imperfections. Ça c'est un sérum contour des yeux, 5% caféine, trop bien. Pareil, en termes de sérum contour des yeux, j'utilise que le typologie. Mais écoutez, le changement, ça fait pas de mal. Je suis mitigée entre ça sent rien et ça sent un truc bizarre. Ça sent rien et ça et sent, ça sent bizarre. Ouais, ouais, on est d'accord. Et le roller, c'est trop bien pour les contours des yeux parce que du coup, ça décongestionne un petit peu. Huile de soin pour les cheveux aux 8 huiles précieuses. Oh, mais ça, je vais grave m'en servir demain. Parce que là, mes cheveux, ils sont dans un état vraiment pitoyable après ces 3 mois au Canada. Crème à tout faire. Ah, ça, c'est trop bien. C'est genre des crèmes pour le corps, visage et tout, je crois. Masque capillaire. Bon, j'avoue que celui-là, je peux plus trop me le voir. Genre, pour le coup, on nous l'a envoyé 40 milliards de fois. Je trouve que la texture, elle est un peu particulière. En fait, il sent bon. Mais la texture, elle est trop bizarre parce que tu sens que c'est vraiment genre des produits qui ont été mélangés. Qui ont été foutus en pot quoi. Ah ouais, de ouf. Ça sent le naturel, tu vois. Bah oui, normal. Aromazone. Ça, c'est crème neutre désaltérante riche en aloe vera. Ça doit être une crème pour le visage, je pense. Ça doit tellement bien hydrater. Sur le visage. Genre quand tu vois la texture que ça fait sur ma main. Oh, je savais pas qu'il faisait ça. Sérum pour les cils aux ricins fortifiants et allongeants. Ah mais c'est trop bien, dinguerie. C'est genre un petit pinceau comme ça. Et je pense que du coup tu fais ça sur tes cils. Ça par contre je le garde, je vais faire une petite comparaison avec le typologie que j'utilise. Ça va, je te gêne pas de tester mes produits là? Celui-là j'aime bien, je le veux. Ça? Ouais. C'est un déodorant solide. Oh, j'aime trop l'odeur. Ça fait depuis le mois de janvier que ce colis m'attend. Et je pense que ça fait aussi depuis le mois de janvier que la marque attend que j'en parle. Le problème étant que pour ma défense, on leur a demandé s'ils pouvaient me les faire livrer au Canada. Et ils ont quand même voulu me les faire livrer en France. Comme vous pouvez le constater, c'est Herborian. Et je pense que vous savez de quoi il s'agit, puisque toutes les influenceuses m'ont parlé littéralement. C'est leur nouveau concealer, le super bébé concealer. J'ai trop hâte de le tester. Mais genre vraiment, parce que j'en entendais vraiment parler partout. Et apparemment, c'est une vraie dinguerie. Et en plus de ça, ce qui fait que j'ai encore plus hâte de le tester, c'est parce qu'ils m'ont envoyé la make-up sponge qui va avec. Oh mais il y en a deux, c'est trop mignon. Il y en a une toute petite avec le logo d'Herborian. Et celle-ci, j'ai... Ah, ça m'a fait grincer des dents. La forme, elle est trop mignonne. Et je suis hyper intriguée. Genre, je pense que ça doit être trop pratique ça pour appliquer l'anti-cerne vu qu'il est bien biseauté comme ça sur le côté. Et attendez, je vous montre. Il y avait un second étage dans le colis. Ça s'ouvre par là. Ils m'ont envoyé là, premièrement, les deux teintes les plus claires qui se rapprochent le plus du coup moi de ma carnation. Et je sais que je vais garder la claire et que je vais donner la nude à ma maman. Mais ils m'ont aussi envoyé les trois autres teintes les plus foncées. Bah vous doutez bien que ce genre de teinte ça me va pas quoi. Donc de base je voulais vous les faire gagner, mais pareil je trouve que pour une histoire de teinte c'est hyper compliqué de les faire gagner à quelqu'un. Donc je pense que c'est le genre de produit que je vais laisser de côté. Et si jamais je fais, vous avez parlé dans une de mes vidéos de faire genre des coffee tours, genre des rencontres entre vous et moi, peut-être que je les mettrai dans un sac et que si à l'occasion ça peut servir à quelqu'un, les personnes pourront se servir dans ce sac là. Ça c'est quoi? Ah oui bah oui, ça c'est bénéfique. Y a pas de carton parce que ma soeur les a pris pour Vinted. Voilà. Ça, je sais aussi ce que c'est parce que mes parents m'ont ramené un des produits quand ils sont venus me voir à Montréal. C'était leur nouveau produit pour les sourcils. Le must de la précision, les nouveaux produits dans la franchise Precisely. Ok, en gros, c'est les nouveaux Precisely My Bro quelque chose, mais ils les ont réédités et ils en ont sorti des nouveaux. Déjà, on a le Precisely My Bro Pencil qui m'ont envoyé en teinte 2. Donc, il y a moyen que ça, ce soit une teinte qui m'aille. Parce que j'adore Benefit, j'adore leurs produits, mais la plupart du temps, quand ils m'envoient des produits teintés, c'est jamais les bonnes teintes. Du coup, là, on a le Precisely My Bro que j'ai toujours rêvé, enfin rêver c'est un bien grand mot, mais que j'ai toujours voulu tester. Donc ça je pense pas que ce soit une nouveauté, ou alors peut-être qu'ils l'ont reformulé. Ensuite, le deuxième produit qu'ils m'ont envoyé, je l'ai pas sur moi, il est au fin fond de mes valises parce que du coup c'est le produit que mes parents m'ont ramené. C'est le Precisely My Brow Wax pour définir et fixer les sourcils. Et pour le coup ça je l'ai testé plusieurs fois et c'est un très bon produit parce qu'il va venir fixer vos sourcils mais aussi apporter un peu de couleur, genre deux en un dans un seul produit, c'est plutôt pas mal. Et ensuite on a le Precisely My Brow Detailer. Je sais pas du tout ce que c'est vraiment. Ah, on a un petit coupillon ici, et ça, hein, c'est un petit embout transparent, et quand vous tournez comme ça, il y a un très 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 fin qui sort. What the fuck? C'est hyper hyper fin, donc je pense que ça doit être très 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 précis. Et on dit merci Benefit, parce qu'à chaque fois, ils nous offrent toujours des belles petites pochettes comme ça, trop mignonnes, j'aime beaucoup. Oh, quelque chose me dit que ce colis va être très intéressant. Oui, ça, c'est pas n'importe qui me l'a envoyé. J'ai reçu un envoi presse de la part de Givenchy. S'il vous plaît, c'est le Irrésistible Eau de Parfum Very Floral. C'est une nouveauté de cette année en plus. À voir à quoi ressemble le packaging, parce que pour moi le packaging d'un parfum c'est ce qui fait tout. Oh, j'aime beaucoup. C'est très très simple, très subtil, mais j'aime beaucoup. Packaging est très joli. Maintenant, reste à valider l'odeur. Oula, oh j'adore. J'adore, mais toi t'es trop chiant quand je change de parfum, à chaque fois t'aimes pas. Moi je vais te dire c'est quoi. S'il valide pas, on est dans la merde.
Ça agresse trop mon nez. T'aimes pas? Bah, l'odeur elle est bonne forcément, c'est un parfum. Mais je trouve que ça agresse trop. C'est pas assez doux genre? Faut voir sur le temps quand il est atténué, tu vois. Non, par contre l'odeur est vraiment très sympa, hein. J'aime vraiment beaucoup. Tu ressens la fleur derrière. C'est une odeur que j'ai jamais eue en parfum, donc c'est assez intéressant. J'aime vraiment beaucoup pour le coup. Ça, on garde. Ok, prochain colis. Ça y est, il nous a déjà abandonné. Ça, c'est deux colis Vinted. J'ai trouvé ce petit... une veste de costume, je dirais. J'ai trouvé trop belle. Au lieu d'être fermée sur le milieu, elle est fermée sur le côté. Et la meuf qui le portait sur Vinted, ça lui allait trop bien. Parce qu'elle avait des boobs que moi, je n'ai pas. Donc, je sais pas si ça va faire le même rendu sur moi. Je croise les doigts. Parce que ça, avec un pantalon de costume noir et des petits talons noirs, là, trop beau. Bah, visiblement, c'est neuf et ça n'a jamais été porté. Et en termes de prix, je m'en rappelle plus, donc je vous le mettrai sur l'écran. Et ensuite, je me suis pris une petite chemise grise comme ça. Alors ça change de ce que j'ai l'habitude de porter, mais en même temps ça me ressemble quand même un petit peu. Genre je voyais trop ça avec un jean noir. Je trouvais ça très sympathique. C'est pas vraiment une chemise parce qu'il n'y a pas des boutons jusqu'en bas, c'est plus une blouse. Mais j'aimais bien, ça faisait un peu genre jean gris comme ça. C'est quoi ça? Ça vient de qui? Je n'ai aucune idée de ce que ça peut être. Ok, donne-moi des indices sur ce que c'est. C'est simple, tu connais très bien, on le fait souvent, on l'a déjà fait souvent ensemble. Il n'y en a pas qu'un, il y en a 1, 2, 3. C'est pour la peau. Ah, des masques pour le visage? Ouais. Ah, comment ça on en fait souvent? On en fait pas souvent des masques? Qu'est-ce que c'est? Ah, c'est Evoluderm. En effet, ils m'avaient envoyé un DM sur Instagram pour me demander si je voulais tester leur nouveau masque pour le visage. Par contre, les packagings, excusez-moi, mais ça me fait très penser à Garnier. Ils m'en ont envoyé 4 du coup. Il y a le anti-âge, que je donnais à ma maman, le hydratant à l'aloe vera, le détox charbon et le vitamine C booster d'éclat. Vitamine C, ça je garde parce que c'est vraiment genre mon truc préféré. Ça, ce sera pour ma maman et ça, je vous les ferai potentiellement gagner dans un concours, je pense. J'adore les masques en tissu, j'en ai un stock pas mesurable du tout. Ça. Oula, ah c'est trop mignon. On est sur une mini, vraiment très mini enveloppe rose. Ah, je pense que j'ai une idée. Je pense que c'est potentiellement la boutique Loli Bijoux. C'est une fille qui s'est lancée, qui fait des bijoux sur Instagram. Ici, on a le petit collier personnalisé. Je me suis pas foulée, j'avoue, j'ai repris exactement le même modèle qu'il y avait sur son site. J'ai juste changé une breloque et inversé la place de deux breloques. Il est trop beau, doré comme ça, avec des chaînes. Et il y a plein de petites breloques dessus. Oh, ça va être trop beau pour cet été, je pense. J'ai mis une petite breloque avec un cœur, une breloque étoile de mer, une grosse fleur comme ça, genre je trouve que c'est ça qui fait tout le collier. Après on a un sac à main et un petit piment ici, vraiment je trouvais ça adorable, donc je suis très contente. Et avec ça elle m'a aussi envoyé une paire de boucles d'oreilles. Ça j'avoue c'est moi qui lui ai demandé si elle pouvait me les rajouter dans le colis, je les voyais pas aussi grandes. Des petites boucles d'oreilles avec des rubans comme ça, je les trouve trop mignonnes, mais pour le coup je ne les voyais pas aussi grandes sur le site. Je pensais qu'elles étaient vraiment beaucoup plus petites, je pensais que c'était vraiment une toute petite paire. Là elles sont quand même relativement très imposantes. Ça va être très joli quand même, hein. Ça va vraiment faire toute une tenue je pense. Quand vous avez les cheveux attachés et tout, vraiment ça va être canon. Moi je vais ouvrir celui-là parce qu'il m'intrigue vraiment, c'est un tout petit colis. Ah si, je sais ce que c'est Jisoo. C'est pas eux qui m'ont envoyé un colis, hein. C'est moi qui ai commandé sur leur site. Je suis vraiment une pigeonne, hein, purée. En fait, pendant que j'étais au Canada, j'ai été hyper influençable, j'avoue. C'est-à-dire que tout ce que je voyais sur Instagram, je l'achetais. Vraiment, j'ai abusé. Je sais pas ce qui m'est arrivé là pendant ces 3 derniers mois. Et je suis pas fière de moi non plus. Du coup, sur le site de Jisoo, j'ai acheté la Honey Infused Hair Repair Serum. En gros, c'est pas l'huile pour les cheveux que j'ai l'habitude d'utiliser. Du coup, pour soigner mes cheveux qui ont besoin d'être en bonne santé, là, je me suis pris le sérum réparateur comme ça. Déjà le packaging est incroyablement beau si je peux me permettre. Et je crois que c'est un truc que tu mets sur cheveux humides, mouillés. Pareil, ça je vais tester demain quand je vais sortir de la douche. En tout cas si Jisoo passe par là, n'hésitez pas à m'envoyer des colis. Je vous mets mon adresse mail juste ici. Voilà. Dernier colis de ce sac. Je pense que ça doit être le colis Chamberlain Coffee. C'est une commande que j'ai passée il y a un mois et demi, deux mois je crois. Parce qu'en fait il y avait une promo sur son site. Emma Chamberlain c'est une influenceuse que je ne suis absolument pas. Mais par contre je vois tout le temps les trucs Chamberlain Coffee passer sur les réseaux. Et je trouve que la DA de la marque est incroyablement mignonne. Vraiment j'adore. Du coup on va commencer déjà par la raison pour laquelle j'ai passé la commande, c'est-à-dire le kit matcha débutant. Donc dans ce kit, vous aviez le matcha matcha basique avec un lot de deux pailles estampillées au logo Chamberlain Coffee. Ensuite, on a la mason jar pour faire des vrais matchas d'influenceuses. Ça, vraiment très très fan. Donc je suis très contente. Je vais faire mes meilleurs matchas à l'intérieur. Et ensuite, on a le mousseur à lait. Et pour tout ça, le kit m'a coûté, je crois, 60 euros, quelque chose comme ça. Et en plus de ça, avec le mousseur à lait, on a un support. Donc ça va être trop pratique pour mettre dans la cuisine. Je vais tester son matcha dès demain, ou si je teste le matcha vanille, parce qu'apparemment le matcha vanille de Emma Chamberlain c'est le meilleur matcha vanille sur le marché. J'avais vu une vidéo d'une fille qui comparait tous les matchas d'influenceuses et apparemment le Chamberlain Coffee c'était le meilleur, au-delà du fait que ce soit le moins cher parmi tous. C'est moi ou la boîte? Ouais non, la boîte elle est plus grande pour le matcha vanille que pour le matcha normal. Et du coup en cadeau avec toute cette commande ils m'ont offert un matcha chocolat. En fait j'ai envie de l'ouvrir pour goûter et pour voir un peu ce que ça donne, mais en même temps ça m'attire pas, genre du matcha au chocolat je trouve ça très bizarre. Je pense que là on est sur un bon stock hein, quand même. Ma chambre c'est un enfer là, je suis pas bien. Je suis pas bien là, je suis pas bien. Next colis. Benefit, encore?
Ils m'ont renvoyé leur gamme de skincare. La pochette est beaucoup trop cute. Ah mais c'est un petit sac en fait. C'est beaucoup trop pratique. Ah ça fait très lunchbox je trouve. Très sympa. Et à l'intérieur on a 3 produits. 3 produits qui seront pour vous je pense. Wow Polish, c'est une poudre exfoliante triple action pour les pores. Pas du tout le genre de produit que j'utilise. Soin de nuit pour les pores au AHA et PHA. Les pores c'est pas ma préoccupation principale donc pareil c'est un produit dont je peux me passer. Et ça c'est un masque à l'argile désincrustant que j'ai déjà testé. Mais pour être honnête avec vous, Benefit c'est une marque que j'adore en termes de make-up. Mais c'est pas du tout une marque vers laquelle je me tourne pour la skincare. Donc je pense que ce petit coffret, ce sera encore une fois à gagner sur Instagram. Voilà, j'ai envie d'ouvrir un gros colis là. Donc on va ouvrir celui que je suis allée chercher tout à l'heure. Que tu es allée chercher. Pas de ma faute si j'ai des difficultés, d'accord? Peut-être y arriver un jour. Peut-être. Apparemment c'est fragile. En principe c'est juste censé être un colis Ocean's Apart hein. Donc je comprends pas pourquoi c'est aussi bien emballé. Peut-être qu'ils ont mis des goodies dedans. Oula, on est sûr que c'est Ocean's Apart ce colis? C'est plein de genre de polystyrène à l'intérieur, c'est trop bizarre. Mais c'est pas du tout Ocean's Apart ce colis. C'est un colis Garnier, ça pèse une tonne. La boîte est trop belle par contre. En gros ils m'avaient envoyé un mail. Ils ont sorti une nouvelle couche je crois. C'est un truc genre échec et mat. C'est pour nettoyer, cibler, hydrater. Et de ce que j'ai compris dans le mail, pour découvrir les produits, je crois qu'il faut résoudre un jeu d'échecs genre. Oui c'est ça. Échec et mat aux imperfections en 3 gestes. Positionne les pions sur le plateau et découvre la stratégie gagnante pour obtenir ta routine matifiante. Il y a genre 3 pions d'échecs là. Bon je vous l'accorde, c'est le genre de carton, ça finit toujours à la poubelle malheureusement. Écologiquement parlant c'est pas forcément le mieux à faire. On est vraiment sur un très bon marketing là pour le coup. Il faut piéger le roi, mais... En train de chercher la solution, ça va nous prendre des heures. Là, il est en train de regarder s'il y a des trucs qui l'intéressent, s'il y a des trucs qu'il va vouloir prendre pour lui. J'ai toujours voulu avoir, que j'ai jamais vu. Putain, c'est quoi? Gel nettoyant au charbon anti-point noir, nettoie et désobstrue instantanément les pores. Tu veux? Ah, mais attends, wait a minute. Ah, ça, je crois que c'est la nouveauté, par contre. C'est la Air Cream Soin Matifiant Quotidien AHA plus BHA enrichi en charbon. La texture, elle a l'air incroyable. Et ensuite, le troisième produit, c'est... Oh, un sérum. J'adore les sérums. Bah, pareil, c'est un sérum enrichi en charbon. Et c'est pas tout. On a un deuxième coffret. Et dans le mail, il m'avait dit que ce deuxième coffret, il me l'envoyait pour que je puisse l'offrir à un proche. Si les produits qui sont à l'intérieur, c'est les mêmes que pour moi, je vais offrir ça à ma plus vieille tante, à mon futur mari. Oh non! Ah mais oui, c'est ça en plus! En gros, c'est vraiment un coffret, mais sans toute la DA de échec et mat. Mais c'est exactement le même coffret qu'il m'a envoyé à moi, avec les trois mêmes produits. Je le donne à Suzy Goto, parce qu'il a l'air très intéressé par la gamme. Ça, c'est quoi? Ça doit être un colis vintage. Si, je me rappelle. Oula, j'ai dézingué le carton par contre. Oups, un pull sans manches rose que je trouvais trop beau parce qu'il a un petit col comme ça. J'aimais trop le style. Genre, je voyais trop ça avec un jean bleu clair et mes gazelles roses. J'ai hâte de l'essayer. Ça, c'est une commande que j'ai passée sur le site de Hello Moon Shop. Déjà, premièrement, on a le gilet que je porte depuis le début de la vidéo. Il vient de chez Hello Moon Shop. En fait, j'ai pas encore déballé le colis, mais vu que je savais que j'avais commandé ça. Tout à l'heure, on avait une course à aller faire, sauf que comme il fait 24 degrés dehors, j'avais pas envie de mettre un manteau. Donc, j'ai pris le premier truc qui me passait sous la main, soit ce gilet. Qui est très très beau, mais par contre ça j'ai pas coupé pour pouvoir vous montrer, il y a plein d'élastiques qui ressortent du bout des manches, genre il y a plein de petites fils qui se barrent, et en vrai je trouve ça un peu dommage, mais sinon il est très confortable, j'aime beaucoup ce qu'il rend au niveau des manches comme ça, je trouve ça très très joli. La raison pour laquelle j'ai commandé sur ce site, c'est pour cette petite blouse, pareil que la Fleur et Compagnie dans le style Gany, mais en blanc cette fois-ci. Par contre, exactement pareil que Fleur et Compagnie, je trouve qu'en niveau matière, c'est un peu décevant. Genre, ça fait un peu matière très bas de gamme, donc pareil, à voir porter. Et toujours chez Hello Moon Shop, je me suis pris une paire de chaussures que je cherche depuis très longtemps. Parce que j'adore le style des Boston de chez Birkenstock, mais pour être honnête avec vous, je trouve qu'elles sont beaucoup trop chères. Donc j'ai pris un genre de petit dupe que je trouve très beau. Elles sont un peu beige camel comme ça, et pour l'été... Avec des jeans ou enfin peu importe quel genre de pantalon d'ailleurs. Je trouve que c'est très beau. Elles me vont. T'aimes bien ou pas? Ouais. Pourquoi tu mens? Parce que je veux pas te faire de la peine. Mais t'es horrible. Je rigole. Très sympa et elles m'ont pas coûté excessivement cher. Elles ont l'air franchement plutôt quali. Hein. Là on est sur un colis de la part de Kenzo Parfum. Est-ce que vous avez entendu le... C'est pas pour les hommes. C'est trop mignon. Regarde, eux au moins ils m'offrent des fleurs. Mais où le parfum? Mais là je te parle des fleurs en fait. Ah. Et du coup le parfum c'est la nouvelle édition du Flower Ikebana by Kenzo. Et là celui-là c'est au Mimosa. On est sur les mêmes packaging que d'habitude, hein. Vraiment très très Kenzo. C'est pareil, j'en ai entendu mais de partout sur Instagram. Il a intérêt à sentir bon, moi je vous le dis. Oh, j'adore, c'est hyper léger, alors ça je pense que tu vas préférer. J'aime bien l'intensité, t'en refais sentir. Non, s'il est bien. Tu préfères celui-là ou le Givenchy? Celui-là. Ouais, je m'en doutais, parce qu'il est plus léger. Je veux trop ouvrir ce colis, parce que je crois que je sais ce que c'est encore une fois. C'est une box de livres, j'ai été démarchée par une fille qui fait des box de livres justement sur TikTok et Instagram. Elle les vend via Vinted et elle m'a demandé si je voulais en recevoir une, du coup je lui ai dit oui. Et donc le concept de cette box, c'est de recevoir 2 ou 3 livres dans des thèmes que tu aimes, ou alors au contraire dans des thèmes que tu n'as pas l'habitude de lire. En fait juste tu sais clairement pas ce que tu vas recevoir comme livre. Et je
trouve ça trop cool. Changement de caméra parce que j'avais plus de batterie dans l'autre. Ça se présente comme ceci. On a un petit chouchou, un crayon de bois, un petit bracelet blanc. En vrai, c'est trop mignon, il y a mis plein de goodies à l'intérieur. Un marque-page qui est absolument adorable, très coloré, j'aime beaucoup. Un petit sachet de thé à la verveine. En vrai, c'est trop mignon, genre c'est vraiment le truc parfait pour te faire une soirée lecture. Ça, c'est vraiment l'attention qui fait très plaisir pour les gens qui annotent leurs livres. Personnellement, je n'annote pas mes livres. Un petit porte-clés avec une fleur. Et ça, je pense que c'est le meilleur de tous les goodies, c'est des petits bonbons. T'en veux un? Je peux avoir le rouge, c'est mon préféré. Oh, je crois qu'il y a que des livres que j'ai pas. On a Le mystère Henri Pic de David Wenkinos. David Wenkinos, c'est un auteur dont on entend tellement parler. Personnellement, le seul livre que j'ai lu de lui, c'est Charlotte, que j'avais énormément apprécié. Ensuite, on a Constellation de Adrien Bosque. Je pense que ça va être des livres en seconde main parce que les pages sont quand même assez jaunies. Ça peut être hyper intéressant ça comme lecture par contre. Elle m'en a pas mis que deux, elle m'en a mis trois. Celui-là, c'est un énorme livre. Something About Her de Millie Black. J'aime énormément le concept de la box lecture. Du coup, je vous mets son Instagram quelque part ici si jamais ça vous intéresse. On arrive bientôt à la fin, ne vous inquiétez pas. Là, ça fait plus d'une heure que j'y suis. Colis The Ordinary. J'espère que c'est le sérum rouge que je l'ai acheté quand j'étais au Canada, mais je l'ai terminé là-bas donc je l'ai pas repris. Ah non, vraiment pas. C'est le sérum à l'acide hyaluronique. Ah, mais c'est exactement de celui-là que je vous parlais tout à l'heure. Merci beaucoup, The Ordinary, de faire plaisir à ma maman. Enfin, le dernier colis de ce sac, il était temps. C'est un colis de chez Rêveuse Créatrice de Bijoux. Ça, c'est moi qui ai passé commande pour soutenir la collection de ma petite Eva. J'ai pris deux pièces de sa collection, mais honnêtement, je me rappelle que d'une seule des deux pièces. Et j'ai pris un troisième bijou, mais pareil, je me rappelle plus à quoi il ressemble. Ça, c'est le bracelet Zodiac. C'est le truc que. C'est le seul bijou dont je me rappelle de cette commande. C'est un petit bracelet élastique noir avec les signes astro dessus et je l'ai pris en argenté parce que au moins ça suit avec mon petit bracelet Swarovski avec mon petit signe astrologique Gémeaux dessus. Et le deuxième bijou de sa collection, je crois que c'est une bague avec une petite breloque dessus. C'est ça, elle est réglable donc ça, pas de souci. Elle est trop belle, j'aime trop le style en fait de la breloque qui pend. J'avoue que des bagues j'en porte que quand j'ai les ongles faits, ce qui n'est pas mon cas en ce moment. Vraiment très en bas. Le dernier bijou c'est... Ah mais ouais, je me rappelais même plus qu'il ressemblait à ça. Je savais que c'était un collier avec une plaque mais je savais plus ce qu'il y avait sur la plaque. Mon côté très égocentrique encore une fois. Et c'est une plaque avec un L dessus et plein de petits strass autour. Je vous mettrai le lien en barre d'infos si j'ai pas la flemme. J'ai hâte que les beaux jours reviennent pour pouvoir reporter du doré. Il nous reste un colis à ouvrir et 1, 2, 3 trucs à vous montrer en genre de haul. Enfin mais j'ai reçu tellement de trucs en fait, c'est une dinguerie. Oh, c'est pas humain. J'espère que ça va être beau. Je sais pas pourquoi, je sens que ça va être un méga giga flop. C'est juste une nouvelle housse de couette. Enfin, c'est une parure de lit. Je vous mets une image là de ce à quoi c'est censé ressembler. Ça fait très, très château, très princesse, avec plein de froufrou et tout dessus. On termine avec la partie haul de cette vidéo. Je vais pas vous faire un haul de ce que j'ai acheté au Canada parce que ça, je vous l'ai fait de façon progressive dans tous mes vlogs du Canada justement. Mais ça, c'est vraiment un haul de ce que j'ai demandé à ma soeur d'aller m'acheter pendant que j'étais pas là. Vous allez comprendre. Déjà, ça n'a rien à voir. C'est juste ma soeur qui s'est commandé un gilet sur Vinted mais qui est trop petit pour elle au niveau des manches. Du coup vu que je kiffe le style, elle me l'a laissé. Je l'ai missionné pour aller me chercher deux livres. Le premier c'est Archer's Voice parce qu'en fait j'avais un bon de 5€ au Furet depuis fin décembre sauf qu'il allait bientôt expirer donc j'ai dit à ma sœur il faut absolument que tu ailles m'acheter un livre avec parce que sinon je vais perdre mon bon de 5€. Du coup je lui ai demandé de me prendre Archer's Voice parce que j'en avais entendu pas mal parler. Et bien évidemment, bien sûr que oui, je pouvais pas attendre d'aller sur l'île pour me chercher moi-même. Un printemps pour te succomber de Morgane Moncomble. Tu vas où? Du coup je suis très contente, j'ai trop hâte de le lire. Et pour terminer, si j'ai demandé à ma soeur d'aller me chercher ça, c'est parce que c'était une édition limitée spéciale Saint-Valentin. C'est la collection Saint-Valentin de chez Undies. Je lui ai demandé de me prendre le petit short comme ça. C'est un petit short blanc avec des petits cœurs. Il m'a pas l'air trop transparent donc ça c'est plutôt sympa. Et avec ça il y a le débardeur du coup qui va avec. Et énorme coup de cœur sur le site sur ce peignoir blanc avec des cœurs. Et en fait j'ai adoré parce que c'est pas un peignoir qui va jusqu'en bas. Il s'arrête relativement haut au niveau du corps. Il est très doux, très pilou pilou, j'ai absolument trop hâte de le porter, j'adore. Mais écoutez les amis, je crois qu'on a terminé pour cette vidéo. Petit disclaimer de fin de vidéo, je suis bien consciente que recevoir autant de produits ce n'est pas quelque chose de normal pour une personne normalement constituée. Si vous voulez être au courant de tous ces petits concours, je vous laisse aller me suivre, ce sera potentiellement des concours story. En tout cas moi je voulais vraiment remercier toutes les marques qui m'ont envoyé autant de choses pendant que j'étais pas là. Bref, j'espère que la vidéo vous aura plu, que ça change un petit peu de ce que je fais habituellement. Je vous fais des bisous, on se retrouve sur Instagram, tout partout, abonnez-vous à ma chaîne YouTube, partout. See you soon. Bye.